parler de la communication. J'aurais bien voulu être parmi vous ce soir, mais pris à la cérémonie. Après les épreuves, je l'ai présenté. Donc, je vais vous livrer le contenu de son discours. Je cite. Monsieur le président du comité national, porté jeudi hier. Mesdames, messieurs, membres du comité d'organisation de la 4e édition, mademoiselle Victoire Séchi, fille vers 2016. Mesdames, messieurs les journalistes, honorables invités, permettez-moi avant toute chose de présenter à vous les vœux de santé et tout le meilleur pour cette année 2017. C'est pour moi un réel plaisir et un grand privilège de prendre la parole pour souhaiter à toutes et à tous la plus cordiale bienvenue. En effet, le lancement de ce projet qui est la 4e édition en honneur de la fille ne vient que consolider les différents projets sociaux que mène le gouvernement pour la promotion de la fille et qui justement correspond au mandat actuel de son excellence hors et son humanité, mandat placé sous le sceau social. Nous saisissons cette occasion pour interpeller les acteurs de développement à intensifier leurs actions dans tous les domaines, en particulier celui de l'éducation et de la formation de la fille, et de créer les conditions qui permettent à celle-ci de préparer sereinement leur avenir d'une part, et aussi elle-même de se sentir interpellée afin qu'elle redouble d'efforts pour être au rendez-vous de 2030 d'autre part. C'est aussi une manière de rappeler aux gouvernants et aux acteurs de développement impliqués dans le secteur à se mobiliser davantage pour l'éducation et la formation de la fille, seul moyen de leur propre épanouissement et à la participation au développement de notre pays. Mesdames, Messieurs, une fois encore, soyez les bienvenus à cette grande fête de lancement du Trophée Fille Leader, événement exclusivement réservé aux filles qui sont appelées à être les femmes de demain, d'où le terme révélateur de cette édition, l'éducation et l'autorisation de la jeune fille. Mesdames, Messieurs, nous restons convaincus qu'un tel projet fera éclore les talents de nos jeunes filles dans les milieux scolaires à tous les niveaux. Je m'en voudrais de ne pas témoigner ici la gratitude du gouvernement au Comité national de la nation, qui n'a ménagé aucun effort pour la réalisation de ce projet et pour ses diverses actions et sacrifices en faveur de l'épanouissement de la vie. Tout en réitérant mon entière disponibilité et celui de mon département à accompagner techniquement votre projet, je déclare lancer la 4e édition des Trophées Jeunes Filles d'air pour l'année 2017. Je vous remercie. Félicitations.